Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais saluez ton frère, saluez ta sœur. Just greet your brother, greet your sister. Je te dis bonsoir. God bless you. Très content de vous avoir ce soir dans la maison du Seigneur. Happy to see you in the house of the Lord. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. May the Lord richly bless you. Asseyez-vous. You may be seated. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. We thank the Lord Jesus Christ our God. Qui nous a donné l'opportunité d'être ici ce soir. Give us the opportunity to be here tonight. Et que son nom soit glorifié à jamais. May his name be glorified forever. Amen. Amen. Nous voulons commencer ces réunions de Pâques aujourd'hui. We like to start the Easter services pendant meeting today. Que le monde entier se rassemble par-ci par-là. The people are gathering in the entire world. Pour commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. To commemorate the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Nous avions pensé avoir ces réunions ici d'ensemble. We start together. Pour penser à sa mort, à sa résurrection. To think about his glory, his death and his resurrection. Pas comme une histoire. Not like a story. Mais pour que chacun de nous reçoive l'impact de cela dans sa vie. But so that each one of us should have the impact of that in his life. Quelqu'un peut dire amen. Can somebody say amen? Et nous croyons que nous sommes venus avec expectative. And we believe we came under expectation. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Today is Holy Friday. Il y a plus de 2000 ans sur le bois du Calvaire. 2000 years ago at Calvary. Le Seigneur était mort pour nous. The Lord died for us. Combien croient à l'œuvre du Calvaire? How many believe the works of Calvary? C'est pourquoi sans plus tarder, levons-nous. That's why without delay, let us all stand. Ouvrons nos Bibles. Let us open our Bibles. Dans le livre d'Ésaïe. In the book of Isaiah. Ésaïe chapitre 53. Isaiah chapter 53. Nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 5. We read from verse 1 to 5. La Bible dit. The Bible says. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Isaiah 53 from verse 1. Who have believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, as a root out of the dry ground. He has no form, no comeliness. When we shall see him, there was no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief. We hide as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Surely he has borne our grief and carried our sorrow. Yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and with his stripes we were healed. Allons dans le Nouveau Testament. Let us go into the New Testament. Matthieu chapitre 27. Matthew chapter 27. Lisons le jour de ce vendredi saint. Let us read the day of Holy Friday. Matthieu chapitre 27. Matthew chapter 27. Nous lisons le verset 27 jusqu'au verset 52.
Let us read from verse 25 to 52. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils y ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui. Il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait les roseaux et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et le menèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il y goûtait, il ne voulait pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, on tira au sort afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assurent et le regardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui fut crucifié deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent et secouèrent la tête en disant « Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut pas se sauver lui-même, si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli lama sabatani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu ces tremblements de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme est un fils de Dieu. Amen. Matthieu chapter 27, from verse 27 to 54. Then released he. Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers. And they stripped him and put on a scarlet robe. And when they planted a crown of thorns, they put it upon his head and read in his right hand. And they bowed the knee before him, mocked him and said, Hail, King of the Jews. And they spit upon him, took the reed and smote him on the head. And after that, they had mocked him,
They took the robe off from him and put his own raiment on him and led him away to crucify him. Now, as they came out, they found a man of Cyrene, someone by name. Him they compelled to bear his cross. And when they were coming, into a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, they gave him a vinegar to drink, mingled with gall. And when he had tasted thereof, he would not drink. And they crucified him, patterned in his garment, casting lots, that it may be fulfilled, which was spoken by the prophet. They parted my garment among them, and upon my victuals did they cast lot. And sitting down, they watched him there, and set up over the head his accusation, writing, "This is Jesus, the King of the Jews." Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand and the other on the left. And there they passed by, revealed him, wagging their head and saying, "Thou hast destroyed the temple and built it in 3 days. Save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross." Likewise also the chief priest, mocking him with the stripes and elders, saying, "He saved others, himself he cannot save. If he be the King of the Israel, let him now come down from the cross, and we shall believe him. He trusted in God, let him deliver him now, if he will have him, for he say, 'I am the Son of God.'" Then the thief also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. Now from the 6 hours there was darkness over all the land into the 9th hour. And upon the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lama sabachthani?" That is to say, my God, why hast thou forsaken me?" Some of them stood there when they heard that, says, "This man called for Elijah." And straightway one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put on the head and gave him to drink. The rest say, let us see whether Elijah will come to save him." Jesus, when he cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in two, from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rock rent. And the grave were opened, and bodies of the saints which slept rose, and came out of the grave after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Now when the centurion and they were with him, watching Jesus, saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, "Truly, this was the Son of God." Prions. Let us pray. Notre Père et notre Dieu. Our Father, our God. Nous voici rassemblés ici ce soir, Père. We are gathered here tonight, Father. En ce vendredi saint, Seigneur. In this Holy Friday. Pour penser à ta souffrance et ta mort à la croix. To think on your suffering and your death at the cross. Seigneur, le monde entier peut se souvenir de cela. Lord, the entire world can remember that. Les églises peuvent se souvenir de cela, Père. Churches can remember of that. Les gens peuvent se rassembler pour cela, Père. Men, people can gather for that. Mais ce que nous te demandons ce soir, oh Dieu. But what we ask you tonight, oh God. Permet qu'encore une fois, oh Seigneur. Allow once again, Lord. Que chaque personne qui est venue ce soir. Let each person that came tonight. Puisse avoir l'impact de ta mort à la croix dans ta should vie. Have the impact of your death, et tout ce que tu as acquis pour nous sur le bois du calvaire. Everything you purchased for us at Calvary. Permet que dans ces réunions ici, Seigneur, allow in those services, que nous soyons réellement des bénéficiaires. We really be beneficiaries. Et tout ce que tu avais acquis pour nous sur le bois du calvaire. Of everything you have come for us at Calvary. C'est pourquoi nous avons lu ces écritures. That's why we read these scriptures. Écarte l'homme du chemin. Put men aside. Que le glorieux Saint-Esprit vienne ce soir. May the glorious Holy Ghost come tonight. Avec l'impact du prix qui a été payé sur le bois du calvaire. With the impact of the price that was paid. De guérir chaque personne malade. And heal each sick person. De pardonner chaque pécheur, Père. Forgive
each sinner, de délivrer chaque captif, Seigneur, and set free each captive, de donner la vie à chaque croyant, and give life to each believer, et de restituer tout ce que nous avons perdu, and restore everything we lost. Bénis-nous encore une fois, Seigneur. Bless us once again, Lord. Amen dans les lieux célestes en Christ. Bring us in heaven places in Christ Jesus. Du début jusqu'à la fin, soit l'alpha et l'oméga. From the beginning to the end, be alpha and omega. Et que l'œuvre du calvaire soit manifestée au milieu de nous. Let the works of Calvary be manifested in our midst. Tout puissant de Jésus-Christ. In the almighty name of the Lord Jesus Christ. C'est notre prière. That is our prayer. Amen. Amen. Gloire à Dieu, soyez-vous. Glory to God, you may be seated. Pour ce vendredi saint, for this Holy Friday, mon sujet de ce soir, my subject tonight, je l'intitule le grand mystère de ces jours-là sur le calvaire. I entitled it the great mystery of that day at Calvary. J'aimerais parler sur le grand mystère. I would like to speak on the great mystery de ces jours-là sur le calvaire. Of that day at Calvary. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, say amen. Nous savons qu'aujourd'hui les gens se rassemblent pour commémorer ces jours-là. We know that today people are gathering to commemorate that day. Mais ils n'ont pas la vraie révélation de ce que le calvaire signifie pour l'épouse. But they don't know the true revelation. They don't have the true revelation of what the meaning of Calvary for ces the ces jours-là, les vendredis, saint, quand il mourut à la croix. That day at Calvary, Holy Friday when he died, c'était un grand mystère pour l'histoire de la rédemption. It's a great mystery for the story of redemption. Si vous le croyez, dites amen. If you will say amen. C'était un jour vain, un jour de victoire. It was a victory day. Et Frank Branham dit qu'il y avait des mystères qui étaient cachés à ce jour-là. And Brother Branham said there was mystery hidden that day, qui sera révélé à l'ouverture des sceaux, which will be open in the opening of the seals. C'est là où l'épouse aura la vraie révélation du vendredi saint. That then the bride will get the true revelation of Holy Friday. Et ce que réellement ce grand jour a signifié pour nous. Of really what really mean that great day unto us. Nous avons lu ici dans Esaïe chapitre 53. We read here in Isaiah 53. Le prophète Esaïe qui a vu la venue de Jésus. The prophet Isaiah that saw the coming of Jesus. Lui a identifié comme un homme à qui les gens ne pouvaient pas faire cas. He identified just like a man that no one could desire. Il devait être un homme de souffrance. He was a man of sorrow. Il devait être un homme où les gens se détournaient le visage. He was a man that people would despise him. Ce n'est pas comme aujourd'hui tout le monde aime Jésus là. It's not like today everybody said that Jesus. Quand il était venu, Esaïe avait dit. When he came, Isaiah said, il sera rejeté des hommes. He will be rejected by men. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, say amen. Mais le châtiment était tombé sur lui. But the punishment fell on him. Le châtiment de nos péchés. The chastisement of our sins. De mes péchés à moi, de tes péchés à toi. My sin, your sins, était tombé sur lui l'innocent. Fell upon him, the innocent et one. Et par ses meurtrissures. And by his stripes, nous avons été guéris. We were healed. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Le vendredi saint doit avoir l'impact dans nos vies. Holy Friday should have impact into our life. J'aimerais l'apporter d'une manière un peu différente. I would like to bring it in a different way. Et nous avons lu encore dans Matthieu chapitre 27. We also read in the book of Matthew chapter 27. L'événement, comment on l'avait arrêté. The event, how he was arrested. Comment on l'a crucifié sur le bois du calvaire. How he was crucified at Calvary. Je m'attends à ce qu'il y ait ici à Amen Tabernacle. Wait at that here in Amen Tabernacle. Moi, j'aimerais l'apporter un peu différemment. I would like to bring it in a different way. Que ce soit that tonight, que cela ne soit pas simplement une commémoration, that this should not only be a commemoration, mais que nous soyons chacun bénéficiaires, but we should each one of us be beneficiaries, de l'œuvre du calvaire, of the works of Calvary. Quelqu'un peut dire un grand amen? Samuel que c'est big amen. Madame dit Jésus est mort. Madame said Jesus died. Le vendredi saint, Holy Friday, le 6 avril de l'an 33. The 6th of April, year 33. Lui, c'est un prophète qui vient nous donner les précisions. He is a prophet giving us a precision. Le vendredi, c'est le jour Jésus est mort, c'était le 6 avril. The Holy Friday, the day Jesus died, it was the 6th of April. Vous comprendrez, je ne vais pas entrer dans ça.
You understand? I won't go into it. Pourquoi le 6 avril la colonne de feu devait revenir? Why the 6th of April the pillar of fire had to return? Frère Branham a dit ça et les historiens le confirment. But I want to say about it and historian confirm it. Qu'il est mort le 6 avril de l'an 33. He died the 6th April year 33. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, say amen. Il est mort à 15h. He died at 3 o'clock. C'est là où il a soupiré. That's why he yin up. Remarquez, mon ami, le jour là était le 14e jour. Remember, Abraham said that day it was the 14th day. C'est 6 avril là. That 6th of April. Par rapport à notre calendrier. In line with our calendar. Identifié dans le calendrier juif le 14e jour. Identify into the Jews' calendar it was the 14th day. Du premier mois du calendrier juif qui est le mois d'avril. The first month of the Jews' calendar, which is the April month. Si vous comprenez dans le premier exode. If you understand in the first exodus. Quand ils devaient sortir de l'Égypte. They had to come out from Egypt. Dieu leur a dit que ce mois ici sera le premier mois de l'année. God told them this month will be the first month of the year. C'est qu'on appelle le mois d'Abit. What we call the month of Abit. Ou le mois du printemps. Oh, the spring time. C'était la Pâque juive. It was the Passover, the Jews' Passover. Parce que la Pâque juive a mis au monde la Pâque chrétienne. Because the Passover of the Jews brought off the Easter for the Christians. Dieu leur a dit que vous prendrez un agneau mâle. God told them, you will take a male lamb. Il sera sans défaut. Spotless. Le premier-né de sa mère. The firstborn of the mother. Vous la garderez pendant 4 jours. You will keep it for 4 days. Vous allez l'examiner qu'il ne puisse pas avoir un défaut. You will check it, examine it, report spot. Et le 14e jour au soir. And the 14th day in the evening. Vous immolerez l'agneau. You will slay the lamb. Et vous mangerez sa chair. And you will eat his flesh. Et vous prendrez de son sang. Then you will take from his blood. Vous appliquerez sur le linteau de vos maisons. Then you apply it on the on the doors. Quand je verrai le sang, then when I shall see the blood, je passerai par-dessus. I will pass over you. C'était ça le premier exode. That was the first exodus. Parce que depuis que l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, because since man sinned in the garden of Eden, Dieu avait tué l'agneau innocent. God killed the innocent lamb. Dieu voulait toujours le sang d'un innocent. God always want a blood of an innocent pour one. Pour ramener l'homme à sa présence. To bring man into his presence. Mais nous savons que le sang de bouc et de taureau. But we know blood of bulls and goats. Depuis le temps d'Adam au temps de Noé, on passe par Enoch. Since the time of Adam, the time of Noah, jusqu'à Moïse, jusqu'au premier Pâques juive. Up to the first Passover of the Jews. Ils tuaient les agneaux animaux. They were killing animals. Mais le sang des agneaux animaux. But the blood of animals. Ne pouvait pas pardonner le péché de l'homme. Could not forgive the sin of man. Ça couvrait seulement le péché. It only covered the sin. C'est pourquoi depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. That was from Adam up to John the Baptist. Personne n'était monté au ciel. No one went to heaven. Est-ce que les aigles, vous êtes avec moi? Eagle, are you with me? Même quand nous lisons que Enoch a été enlevé, even though when we read that Enoch was raptured, ou Elie a été enlevé, or Elijah was raptured, c'était un mystère. It was a mystery. Quand le septième ange vient, when the seventh angel came, il dit personne ne pouvait être enlevé au ciel. He said no one could have been raptured in heaven. Parce que le sang de bouquet de taureau, because the blood of animals, ne pouvait pas pardonner le péché de l'homme. Could forgive the sin of man. Et tous allaient au paradis. All them they were going to paradise. Qui était une partie du séjour des morts. There was, which was a part of hell. Parce qu'il fallait le sang d'un innocent parfait. But it required the blood of a perfect innocent. Oh merci Seigneur. Oh thank you Lord. Et ce jour-là le 6 avril. That day the 6th of April. Vendredi de l'an 33. Friday, the year 33. Les Juifs allaient encore pour faire les mêmes choses. The Jews, they were going doing the same very thing. Pour tuer les mêmes agneaux comme d'habitude. To kill the same lamb like usually. Mais ils ne savaient pas que l'agneau parfait était là. But they never knew that the perfect lamb was voilà there. Le jour de son baptême à 30 ans. That was the day of baptism in 30 years. Quand Jean-Baptiste s'est terminé l'Ancien Testament. When John the Baptist was closing up
the Old Testament. Quand il lui a présenté au Jourdain, when he introduced him in Jordan, il a dit, voici l'agneau de Dieu. He said, behold the Lamb of God. Qui ôte le péché du monde. That take away the sins of the world. Il est l'agneau unique et parfait. He is the only perfect Lamb. Il est l'unique sauveur de l'humanité. He is the only Savior of humanity. Et remarquez les jours là, les vendredis, les 6 avril. Notice that day, the Friday, 6 April. Pendant que Judas l'a trahi, when Judas betrayed him, on l'a arrêté. He was arrested. On l'a amené chez le Pilate. He was brought to Pilate. Il a dit, je ne trouve pas quelque chose de mauvais dans cet homme. He said, I don't find something wrong in this man. On l'a traîné partout dans les tribunaux. They brought him in a trip in ils a court. Ils n'ont pas trouvé un défaut en lui. They never found a wrong thing in him. Qu'est-ce qu'il était en train d'accomplir? What was he fulfilling? Il était l'homme parfait. He was the perfect man. Moi et toi, on reçoit le baptême pour se repentir. You and me, we receive baptism to repent. Mais Jésus n'avait rien à se repentir. But Jesus could repent for nothing. Il était un homme parfait. He was a perfect man. C'est quoi, on l'a pris le 14e jour. That's why he was taken the 14th day. Mais Pilate a dit, il n'y a rien de faux dans cet homme. Even Pilate said, I see nothing wrong in this man. Mais les Juifs ont dit, crucifiez-le. But the Jews say, crucify him. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la parole. They never knew they were busy fulfilling the word. Il était l'homme parfait. He was the perfect man. Laissez-moi être clair avec vous ce soir. Allow me to be clear with you tonight. Moi, je ne suis pas un homme parfait. Me, I'm not a perfect man. Moïse ne l'était pas. Moses was not. Ni même Paul. Neither Paul. Même William Branham. Even William Branham. N'est pas un homme parfait. He's not a perfect man. Le seul homme parfait. The only perfect man. C'est le Seigneur Jésus-Christ. He's the Lord Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Il était l'agneau parfait. He was the perfect lamb. Il n'y avait aucun défaut en lui. There was no wrong in him. Parce qu'il est né sans le péché. Because he was born without sin. C'était la naissance immaculée. It was a immaculate c'est birth. Il est mort le 14e jour. That's why he died the 14th day. Pour les 7 âges d'Israël. For the 7th church of Israel. Et puis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. From Adam up to John the Baptist. Et pour les 7 âges de l'Église. Also for the 7 church ages of et the Paul church. Jusqu'à William Branham. From Paul to William Branham. Tous les 14 âges. All those 14 ages seront rendus parfaits, will be made perfect, pas par leurs efforts, not by their efforts, en croyant à l'œuvre du calvaire, but believing the words of Calvary. Dit, mes amis, what I'm saying, my friend, si tu ne crois pas à l'œuvre du calvaire, tu es perdu. If you don't believe the words of Calvary, you are lost. Quand il est mort à la croix, amen. When he died at the cross, amen. Il a crié par sa voix forte. He shouted with a loud voice. Le propitiatoire était au regard de tous. The mercy seat was open. Le voile du temple a été déchiré. The veil of the temple was rent in two. Il a montré qu'il n'y a rien dans le temple. God was showing there was nothing in the temple. Il montrait que le vrai propitiatoire. He was showing the true mercy seat. Le vrai agneau était là au devant de tous. The true lamb was in front of them. C'est quoi l'œuvre du calvaire? That was the works of Calvary. C'est l'œuvre le plus important. Is the most important work. Sans le calvaire, without Calvary, il n'y aura pas William Branham. There could not be William Branham. Sans le calvaire, without Calvary, il n'y aura pas l'ouverture des cieux. There would not be the opening of the seas. Sans le calvaire, without Calvary, Adam ne sera pas restauré. Amen. Could not be redeemed. Sans le calvaire, without Calvary, il n'y aura pas l'enlèvement. There will be rapture. L'œuvre du calvaire, the works of Calvary, c'est l'œuvre le plus parfait. Is the most perfect works. Il est mort le 14e jour. He died the 14th day. Pour les 7 ans d'Israël. For 7 age of Israel. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. From Adam up to John the Baptist. Ils tuaient les agneaux animaux. They were killing animals. Mais ils savaient. But they knew. Qu'un jour, one day, le vrai agneau viendra. The true lamb will come. Et il est mort pour nous. And he died for us. Pour les 7 ans de l'Église. For the 7 church ages. Même si nous regardons au sol, even though we look to
through the seals. Mais nous sommes les êtres vivants. We are human beings. Nous regardons aussi derrière. We also look backwards. Il y a une œuvre parfaite. So there was a perfect work accompli sur le bois du calvaire. Fulfilled at Calvary. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Et on l'a amené à Golgotha. He was brought up to Golgotha. Tout ce qu'il faisait, all what he did contre lui, all what they did against him, était en parfaite harmonie avec la parole. It was in line with the word. Pourquoi il devait être enterré à Golgotha? Why that he had to be brought at Golgotha? Pourquoi il devait être crucifié à Golgotha? Why that he had to be crucified at Golgotha? Personne ne nous a dit pourquoi on l'a crucifié à Golgotha. No one has told us why he was crucified in Golgotha. Mais quand le septième ange est venu, but when he said he was crucified into the correct place. Parce que Golgotha c'était la tombe d'Adam. Because Golgotha was the tomb of Adam. Et Jésus était le second Adam. And Jesus was the second Adam. Le premier Adam a péché. The first Adam sinned. Et quand il est mort, when he died, Enoch, son petit fils, his grandson, et Seth l'ont amené son corps. Brought his body, ils l'ont enterré à Golgotha. And bury him in Golgotha. Ils croyaient qu'un jour, they believe that one day, un autre Adam viendra. Another Adam will come. Pas Adam de la mort. Not Adam of death. Mais Adam de la vie. But Adam of life. C'est pourquoi il fallait que ça soit le Golgotha. That's why it need to be Golgotha. On l'a enterré dans la tombe d'Adam. He was buried. Into on l'a crucifié dans la tombe d'Adam. I mean, he was crucified into Adam. Parce que le troisième jour, because the third day, il va amener Adam à la résurrection. He had to bring back Adam to resurrection. Combien ont compris pourquoi il fallait que ça soit le Golgotha? Many understood why it's supposed to be Golgotha. Branham dit encore. Branham say again. C'est à Golgotha. It was in Golgotha that David avait tué Goliath. That David killed Goliath. C'était une préfiguration. It was a prefiguration. Goliath terrassait tout Israël. Goliath was challenging the entire Israel. Mais il fallait que le petit David vienne. But it need for the little David to come. Le grand Goliath c'était la mort. The great Goliath was death. Il a terrassé Adam. Challenge Adam. Il a terrassé Moïse. He challenged Moses. Il a terrassé tous les prophètes. He challenged all prophets. Mais pour le tuer, but to kill him, pour finir avec la mort, to finish with death, il fallait que le grand David vienne. The great David had to come. Ce jour-là, sur le bois du calvaire, that day at Calvary, le grand Goliath était tombé. The great Goliath fell. Abraham dit. Quand on l'a crucifié le vendredi le 6 avril, when he was crucified Friday the 6th of April, c'est 14e jour, that 14 days, lui l'agneau parfait, him the perfect lamb, il a fait une prédication à 7 mots. He heard a preaching with 7 words. Chaque mot qu'il faisait sortir. Each word that he spoke. Je n'ai pas le temps d'enseigner ça ici. I don't have time to teach it. J'ai soif. I thirst. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? My God, why have you forsaken me? Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Woman, behold your son, son, behold your mother. Il a parlé 7 fois. He spoke 7 times. Et cela, il a fait ça dans 7 minutes. And he did it in 7 minutes. Parce que, because l'œuvre du calvaire, the works of Calvary, il va ouvrir les 7 sauts plus tard. Had to open in the future. The 7 seals. Madame dit ce jour-là, le vendredi. Madame said that day, Friday. Nous voyons 3 croix. We see 3 crosses. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Himself, the Lord Jesus Christ. Avec des brigands. With 2 robbers. Mais Madame dit non, il n'y avait pas 3 croix. But Madame said, actually, there was not 3 crosses. Il y avait 4 croix. There was 4 crosses. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Il y avait aussi Judas. There was also Judas. Qui est parti se pendre faire sa propre croix. Who went to anger himself. Ce jour-là, that day, Dieu et Satan se sont divisés les gens. God and Satan divided people. Judas est parti en enfer. Judas went to hell. Est-ce que vous dites amen? This amen. Avec l'autre voleur qui était à gauche. With the other thief which was on the left. Qui commençait à dire au Seigneur Jésus.
He starts saying to the Lord Jesus. Mais si tu es le Messie, but if you are the Messiah, tu as sauvé les gens. You save people. Sauve-toi toi-même. Save yourself. Et sauve-nous aussi. And save us as well. C'était un incrédule. He was an unbeliever. Il ne croyait pas qu'il était le Messie. He never believed that he was the Messiah. Mais il y avait celui qui était à droite. But there was the one who was at the right hand. Prenez-nous que quand Jésus faisait les sept mots, what I'm saying. When Jesus was pronouncing those seven words, la théophanie de ce voleur là, the theophany of that thief, s'est approché de lui, came closer to him, et lui a révélé, and has revealed unto par him, révélation, by revelation, que cet homme ici, that this man, n'est pas un homme. He is not a man. Mais il est la parole faite chair. He is the word made flesh. Est-ce que je peux dire quelque chose? Can I say something? Mais voilà, mes amis. But I'm saying, my friends. Cet homme-là était né prédicateur. That man was born a preacher. Quand on arrive au vendredi saint, when we reach Holy Friday, si tu es né prédicateur, if you are born a preacher, avant de quitter la terre, before to leave the earth, tu prêcheras une prédication, you will preach a preaching, qui va condamner les gens, which will condemn people, et qui va sauver les autres, and will save others. Un prédicateur ne meurt jamais sans prêcher. A preacher never dies without preaching. Tu vois, Dieu ne vient pas avant le temps. That what God doesn't come before the il time. Il ne vient pas aussi en retard. Neither he doesn't come Dieu late. Dieu vient au temps correct. God came in a right time. Il a reçu l'appel le vendredi. He received his calling the Friday. Par les sept mots de Jésus. Through those seven words of Jesus. Il a compris que Jésus était la plénitude. He understood that Jesus was the fullness. Alors, then, il a dit, maintenant je prêche. Then now I'm preaching. Il dit que mon frère, he said, brother, moi et toi, you and me, nous méritons ici. We deserve this. Mais lui ne mérite pas. But he don't deserve. Quand on arrive au vendredi saint, when we reach Holy Friday, nous reconnaissons nos fautes. We recognize our mistakes. Et ce soir, je le dis. And tonight I say it. Moi, je ne mérite rien. Me, I don't deserve anything. Je ne suis pas digne d'aller au ciel. I'm not worthy to go to heaven. Mais mes problèmes n'est pas digne d'aller au ciel. Even problems don't worthy to go to heaven. Mais nous regardons à l'homme parfait. But we look to the perfect man. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, say amen. Le vendredi saint, Holy Friday, c'est un jour de confession. Is a day of confession. Pas le péché de ton frère. Not the sin of your brother. Pas le péché de ta sœur. Not the sin of your mais sister. Mais reconnaître toi-même. But recognize yourself. Que je suis indigne. That I'm unworthy. Mais l'homme digne est mort à la croix pour moi. The worthy person died at the cross. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que somebody say amen. Quand il a fini de reconnaître ses péchés, when he finished to recognize his sin, et de prêcher à l'autre, and to preach to others, Jésus est resté silencieux. Jesus kept quiet. Jésus n'a rien dit. Jesus said nothing. Mais lui l'a compris. But he understood que c'est le jour du calvaire. That this is the Calvary day. Comme j'ai reconnu mon péché. As I've recognized my sin. Et j'ai reconnu mon sauveur. I've recognized my savior. J'ai le droit. I've got the right. Oh! Moi-même. To claim myself. Praise God. J'ai le droit. I've got the right. De réclamer moi-même. To claim myself. Le vendredi, c'est un grand mystère. Holy Friday is a great mystery. Quand je reconnais que je suis pécheur, when I recognize that I am a sinner, je ne mérite rien. I don't deserve anything. Et j'essaye de faire quelque chose pour Dieu. I'm trying to do something for God. Laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Allow me to say something tonight. C'est toi ce voleur là à droite. You are that thief at the cross. Nous venons ici ce soir. We are here tonight. Parce que nous reconnaissons. Because we recognize que nous sommes tous indignes. We are all of us unworthy. Et pas seulement ça. Not only that. J'ose croire que chacun de vous a essayé de faire quelque chose pour ces réunions. I hope that each one of you have tried to do something for these services. Oui, allez partout. Yes, go all over. Prêchez la bonne nouvelle. Preach the good news. Ceux qui croiront seront sauvés. Those who believe will be saved. Ceux qui ne croiront pas, those who won't believe, seront aussi condamnés. Will be condemned. Je crois que ce soir, tu as amené les gens. I believe tonight you brought people. Et dans ces réunions, il faut que tu amènes les gens. And in this services meeting, you must bring people.
fool. Parce que tu es la voleur à la croix à droite. Because you are the what thief at the cross. Dieu n'exauce pas les prières avant que tu puisses faire quelque chose. Alléluia. God doesn't answer prayer before you do something. Quand il a fait son travail, when he did his job, il est resté calme. He stood quiet. Il sait que j'ai accompli mon but sur la terre. He knew that I fulfilled my purpose on earth. Ce n'est pas Jésus qui lui parle. It was not Jesus speaking to lui-même him. Lui-même dit à Jésus. Hallelujah. Himself speaking to Jesus. Oh Seigneur. Oh Lord. Quand tu viendras dans ton royaume. When you will come into your kingdom. Souviens-toi de moi. Remember me. Comment est-ce qu'il a compris que Jésus avait un royaume? How come he understood that Jesus had a kingdom? Il n'a jamais été à l'église. He was never been in church. Il n'a jamais été baptisé. He was never been baptized. Et comment il a compris? How come he understood que Jésus avait un royaume? That Jesus had a kingdom. Quand on est dit, on reçoit la parole par révélation. We receive the word by revelation. Ce n'est pas le sang ni la chair qui l'ont révélé. It was not the blood neither the flesh revealed unto him. Mais c'est le Père. But it was the Father. Prenez le Père de chacun, c'est sa théophanie. But I'm saying, the Father of each one is your own theophany. Jésus a dit ce soir même. Jesus said, tonight. Ce soir même. Tonight. Tu seras avec moi dans le royaume. You will be with me in the kingdom. Et je crois que ce soir même. Hey, I believe tonight. Il y a des gens qui sont venus ici. There are people that came here. Vous ne sortirez pas tel que vous êtes entré. You won't go back the way you came in. Ce soir même, pendant que je prêche, tonight while I'm preaching, il y aura d'autres qui vont entrer dans le royaume. There are others who will go into the kingdom. Et le royaume est déjà venu. And the kingdom already came. Le royaume, c'est le baptême du Saint-Esprit. The kingdom. Is the baptism of the Holy Ghost. C'est la gloire de Dieu dans nos cœurs. Is the glory of God into our hearts. Jésus a pris celui qui était à droite. Jesus took the one who was at the right hand. Destination, paradis. Destination, paradise. Judas aussi a pris celui qui était à gauche. Judas also took the one who was in the left hand. Destination, séjour de mort. Destination, hell. Ce soir, chacun de nous. Tonight, each one of us. Que tu sois nouveau ou pas. Baby, a new person, il y aura ta destinée ce soir. You'll make your destination tonight. Mais moi, j'ai choisi ma destinée. But me, I've chosen my destination. Et Amen a choisi sa destinée. Amen, I've chosen his destination. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen? Can somebody say Amen? Frère Branham dit que c'était un jour gros. Branham said it was a great day. Plusieurs prophéties s'accomplissaient. Many prophecies was fulfilling. Mais ils ne pouvaient pas voir ça. But they couldn't see it. C'était un jour grand, un jour de victoire. It was a great day, a victory day. Branham dit le secret là même les anges ne connaissaient pas. Branham said they seek that secret, even angels never understood it. Ils s'étonnaient que Seigneur. They were surprised by saying, Lord, dis un mot. Say a word. Ils ne savaient pas la scène de la rédemption. But they never knew the scene of redemption. Branham dit ceci, mes amis. Branham said this, my dans friend. Dans ces jours-là, sur le bois du calvaire. That day at Calvary. Il dit, paragraphe 41, il dit. Paragraphe 41, c'est il dit. C'est un jour tellement important. It's a so important day. De tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre. It's a very important day than any other day that God has made on earth. C'est un des jours les plus importants. It's one of the most important days. Quelqu'un peut dire un grand amen. Somebody can say big amen. Il dit 43, il dit 43. Si ce jour est tellement important, if that day is so important, si c'est l'un des plus grands jours considérons, if is one of the greatest days, let us consider. Considérons ça en trois points différents. Let us consider it in three points. Ce que ce jour-là signifie. What is the meaning of that day? Pour nous, for us. Nous pourrions prendre des centaines. We can take hundreds. Mais ce matin. But this morning, j'ai seulement choisi trois points différents. I only choose three points. Une importance capitale. So important. Le vendredi saint, the Holy Friday, quand Jésus mourut à la croix, when Jesus died at the cross, c'est un jour très important. Is a so important day. C'est l'un des jours les plus importants de la rédemption. Is one of the most important days in redemption. Cela a beaucoup de signification pour nous. That has a lot of meaning unto us. Mais Branham dit, prenons seulement trois points rapidement. But Branham said, let us take three things. Premier point.
Firstly, paragraphe 44. Paragraph 44. Ce que ce jour-là signifie. What is the meaning of that day? Qu'est-ce que le calvaire signifie pour toi? What is the meaning of Calvary unto you? Et pour moi? And unto me. Abraham dit. Abraham say. Le grand point important. The great point. Ce que le calvaire signifie pour nous. Is that the Calvary means unto us. Et pour le monde. And for the entire world. Ce que. Is that. Il a réglé la question du péché. Is settled. The sin question. Une fois pour toutes. Once for all. Je crois que quelqu'un va crier amen. Ah ouais, puis on sait amen. La 47, il dit. In, l'un de nous ne pouvait pas racheter l'autre. No one of us could redeem another person. Paragraphe 53, il dit. Paragraphe 53, c'est. C'est ce jour-là. It's that day. Que le prix a été payé. That the price was paid. Et la question du péché. And the sin question. A été réglé pour toujours. Was settled for all. 56, il dit. 56, il dit. Le seul qui pouvait le payer. The only one who can pay it out. Est venu le payer au calvaire. Came to pay it at Calvary. Premier point ce jour-là. Le grand first of all, that day. Pourquoi c'est important? Why is so important? C'est en ce jour-là que le prix a été payé. It was that day the price was paid once of all. Le prix du péché a été payé. The price of sin was paid. Dieu a réglé le problème de nos péchés. God settled once for all the sin question. Une fois pour toutes. Once for all. Tes péchés ne sont pas pardonnés à l'église. Your sins are not forgiven in church. Tes péchés ne sont pas pardonnés quand tu es baptisé. Your sins are not forgiven when you are baptized. C'est ce jour-là au calvaire. It was that day on Calvary. Que tous les péchés ont été pardonnés. All the sins were forgiven. Quand Adam a péché dans le jardin d'Eden. When Adam sinned in the Garden of Eden. Adam était Dieu sur la terre. Adam was God on earth. Il n'y avait pas de maladie. There were no sickness. Il n'y avait pas le péché. There was no sin. Il n'y avait pas la souffrance. There was no suffering. Il n'y avait pas la pauvreté. There was no poverty. Adam était le fils de Dieu. Adam was a son of God. Quand Eve a écouté Satan, when Eve listened to Satan, par l'adultère avec le serpent ancien, committed adultery with the old serpent, Adam a perdu son pouvoir. Adam lost his power. Il a noirci la divinité. In darkness is deity. Il ne pouvait pas retourner la présence de Dieu. He couldn't go back into God's presence. Et Dieu vient dans les jugements. And God came into judgment. Adam, qui t'a dit de faire ça? Adam, who told you to do this? Adam dit c'est la femme. Adam says it's the woman. La femme qui t'a dit ça? Woman, who told you? C'est le serpent. It's the old serpent. Et Dieu a fait donner le jugement. And God brought the judgment. Il a maudit le serpent ancien. He cursed the old serpent. Ce que veut dire un grand man? Somebody can say big man. Il a réduit l'autorité de Eve. And he reduced Eve authority. Et toi et ton mari, vous ne serez plus au même égalité. That you and your husband, you should no longer be equal. Tu enfanteras avec souffrance. You will give birth with suffering. Et l'homme dominera sur toi. A man will rule over you. Il n'a pas maudit Adam. He never cursed Adam. Mais il a maudit la terre. But he cursed the ground. Et Adam, tu gagnais la vie facilement. Adam, you used to gain life easily. Tout était prospère. Everything was prospering. À cause de ce que vous avez fait. Because what you did. Il y aura les épines de ronces. There will be horses. Tu gagneras la vie avec souffrance. You'll gain life with suffering. Tu dois souffrir pour vivre. You have to suffer for you to live. Si vous le croyez, dites amen. If you will say amen. Et il les chassa du jardin d'Eden. He chased them from the garden of Eden. Mais quand ils étaient en train de sortir. While they were going out. Dieu savait qu'Adam était une créature à son image. God knew that Adam was a creature after his own image. Il a tué les agneaux innocents. He killed an innocent lamb. Pour apaiser sa colère.
to cool off his anger. Il a promis, amen. He promised, amen. Que pour le serpent, that you, the serpent, un jour, one day, la semence de la femme viendra. The seed of the woman shall come. Et il écrasera ta tête. He will bruise your head. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Depuis ce jour-là, since that day, l'histoire de la rédemption a commencé. The story of redemption started. Et personne ne pouvait vaincre la mort. No one could overcome death. Personne ne pouvait payer le prix. No one could pay the price. Mais Dieu a choisi Marie. By God chose Mary. Par la salutation de l'ange. Through the greeting of the angel. Il a conçu une naissance immaculée. She conceived an immaculate birth. Frère Branham dit. Brother Branham says, écoutez-moi bien ce soir. Listen me very well tonight. Jésus, Jesus, n'est pas un juif. Is not a Jew. La cellule de sang qui a formé corps Jésus. The germ of blood that made the body of Jesus. C'était la divinité elle-même. It was the divinity or the deity itself. Marie n'a été qu'une couveuse. Mary was just a carrier. Il y a une nid au fil de Marie. There was no egg from Mary. Ni quoi que ce soit qui a intervenu. Nothing that was involved. C'était le Goël. It was the Goël. Dieu demandait un parole rédempteur. God required a kinsman redeemer. Personne ne peut nous racheter. No one could redeem us. Ni Moïse. Ni da Moses. Ni Branham. Ni da Branham. Quand on arrive au sauveur, when we reach about the Branham Savior, ne peut pas nous sauver. Branham cannot save us. Ni toi-même. Ni dans yourself. Il fallait que Dieu lui-même, it required God himself, puisse quitter le trône, should come out from his throne, devenir l'un d'entre nous, becoming one of us. Quelqu'un peut dire amen. Samuel que c'est amen. Remarquez ce mystère. Notice this mystery. Dans le jardin d'Eden, in the Garden of Eden, Adam et Eve étaient des fiancés. Adam and Eve were engaged. Quelqu'un peut dire amen. Samuel que c'est amen. Branham dit quand Dieu leur avait dit multiplier, remplissez la terre. Branham said when God told them multiply, replenish the earth. Ce n'était pas la multiplication par le sexe. It was not multiplication through sex. C'était la multiplication par la parole. It was multiplication by spoken word. Adam devait continuer à prononcer la parole. Adam should have kept on speaking the word. Si vous le croyez, dites amen. If you will say amen. Avant le mariage, before the wedding, Satan s'est incarné dans le serpent ancien. Satan came incarnated into the old serpent. Il est venu briser ça. He came to break that. Il amena le sexe dans la race humaine. He brought sex into human race. Le sexe était donné pour les animaux. Sex was given for animals. Mais pas pour l'homme. But not for man. Mais bien sûr. For, of course. L'âme de l'homme est à l'image de Dieu. The soul of man is to God's image. Son corps est à l'image des animaux. His body is into animal image. Depuis ce jour-là, since that day, le monde est peuplé, the world is replenished par le sexe, through sex, l'union d'un homme et d'une femme, the union of a man and a woman. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, say amen. C'est ça même naître dans le péché. That is even to be born in sin. Toute personne qui est née, any human being born, d'un papa qui a connu une maman, from a man, a father that slept with a mother. Tu es un pécheur. You are a sinner. Tu ne peux pas racheter l'autre. You cannot redeem the other person. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Mais qui sera un parent? Now, who will be a kinsman redeemer? C'est vrai, Dieu aussi, j'aime ça. That's why God as well, I love it. Vous êtes avec moi? Are you with me? Marie et Joseph, Mary and Joseph, étaient des fiancés. They were engaged. Pour aller dans le mariage sexuel, to go into sexual marriage. Le modèle que le serpent ancien avait enseigné. The model which was taught by the old serpent. Dieu n'a fait que la vengeance. God
only took virgins. Ce que Satan avait fait là-bas, what Satan did over il there, il a brisé tout. He broke everything. Dieu aussi est descendu. God also came down. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Lui Dieu, him God, vient par la parole. Comes by the word. Je te salue Marie. I greet you Mary. Tu as été choisi. You have been chosen. Isaïe avait dit. That's why Isaiah said. Une vierge concevra. A virgin shall conceive. Quand Marie a dit amen. When Mary said amen. La colonne de feu. The pillar of fire. S'est tournoyé. Turn. Ça a créé une cellule de sang. Created a cell of blood. Marie n'a pas eu de sensation. Mary never received any sensation. C'était une naissance immaculée. It was an immaculate birth. Dieu a amené Jésus par la parole. God brought Jesus through the word. C'est quoi le corps Jésus? That's why the body Jesus. Même les mains ont adoré ça. Even wise men worship it. Les bergers ont adoré ça. Shepherd worship it. Avant même que la colonne de feu soit incarnée. Before the pillar of fire be incarnated. Parce que c'est le corps de Dieu lui-même. Because is the only body of God. Un corps qui est venu par la parole. A body that came by the word. Mais Branham c'était 100% homme. But Branham said that body was 100% man. Il était malade comme tout homme. He could have headache like any man. Branham il a eu des maux de tête. Branham said he had headache. Pour comprendre comment la maladie peut tourmenter un homme. To understand how a man can be tormented by sickness. Branham il a eu les tentations des femmes. What I'm saying, he was tempted by women. Le jour où la femme là est en train d'essuyer ses pieds, that day the woman came to wipe his feet. Quand Jésus a eu la sensation de femme. What I'm saying, Jesus had the feeling of a woman. Et il a surmonté ça. He overcame it. Pour montrer, to show, pour racheter l'homme, to redeem man. Il fallait que Dieu devienne homme. God must become man. Pour mieux comprendre l'homme. So that he will well understand man. Jésus avait aussi la faim. Jesus could feel anger. C'est pourquoi il s'est fâché, il a maudit l'arbre. That's why he get angry, he cursed the tree. Il a vécu comme 100% homme. He lived 100% as a man. Mais la différence. But the difference. Son corps à lui. His body. Est né sans péché. Was born without sin. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Dites un grand amen à ça. Say a big amen to it. C'est pourquoi? That's why. Le calvaire. Calvary. Il fallait seulement. It only require. L'homme est né sans péché. A man born without sin. Lui notre Goël. Him our Goël. Le parent rédempteur. The kinsman redeemer. Proche parent. The close parent. Qui était riche. Who was a rich man. J'ai le pouvoir. I've got the power. De donner ma vie. To give my life. Et de la reprendre. And to take it back. Le seul qui pouvait payer. The only one who can pay. C'est le Seigneur Jésus Christ. Is the Lord Jesus Christ. Branham ne peut pas le faire. Branham cannot do it. Quelqu'un peut dire un grand amen? Somebody can say a big amen. What Frère Branham dit? That's what Brother Branham said. Pour les charpentiers. For the carpenter. Jésus. Jesus. Est la porte. He is the door. Pour les menuisiers. For the carpenter. Pour les fleuristes. For the fleurist. Il est la rose de Sharon. He is the lys of Sharon. Il est le lys de la vallée. He is the lys of the valley. Pour les bergers. For the shepherd, il est l'agneau de Dieu. He is the lamb of God. Ainsi de suite. So on. Pour les maçons, for bricklayer, il est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. He is the stone that the builders rejected. Mais, mais pour moi, Branham. But he said, for me, Branham. Il est l'unique sauveur. He is the only savior. Est-ce que vous écoutez ça? Do you hear this? C'est pas vos histoires. Is not your story. Tu as des confusions. You are confused. Non, la parole fait chair. No, the word make flesh. Has a limit. Has its limit.
Je n'ai pas de confusion dans mon esprit. I'm not confused in my spirit. Entre Branham et Jésus. Between Branham and Jesus. Branham n'est pas mon sauveur. Branham is not my savior. C'est un prophète. He is a prophet. C'est un frère. He is a brother. Branham ne peut pas mourir pour moi. Branham cannot die for me. Mais l'unique sauveur. But the only savior. C'est le Seigneur Jésus Christ. He is the Lord Jesus Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Can we clap out for the Lord Jesus? Il est l'unique sauveur. He is the only savior. Ce jour-là. That day. Au calvaire. At Calvary. Pourquoi c'est important? Why is so important? Il a payé le prix. He paid the price. Il a écrasé la tête du serpent. He destroyed the head of the serpent. Il a payé le prix par son sang. He paid the price by his blood. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Il y a eu trois choses ce jour-là. Bible said there was three things that day. Son sang précieux. His precious blood. Le sang de Dieu lui-même. The blood of God himself. Pousse de Dieu. The created blood of God. Dans son sang. Because into his blood. Son ADN. His DNA. Était le Saint-Esprit. Was the Holy Ghost. La vie du sang. The love of the blood. Revient en nous. Come back to us. Sous forme du Saint-Esprit. Under the form of the Holy Ghost. C'est quoi son sang? That was his blood. Chimique. Chemical blood. L'ADN de ce sang. The DNA of his blood. C'était le Saint-Esprit. Was the Holy Ghost. Qui vient au cours des anges. That came all along ages. Pas comme sang chimique. Not as a chemical blood. Mais comme le message de l'heure. But as the message of the hour. Qui purifie l'épouse. That purify the bride. Pas un sang littéral. Not a literal blood. Est-ce que vous voyez ça? Do you see it? Ce jour-là au calvaire, that day Calvary, le prix a été payé. The price was paid. Une seule fois pour toutes. Branham said, once for all. C'est pas que j'ai pardonné, je pardonne encore. It's not that I forgive again. Moi, mes péchés ont été déjà pardonnés. Me, my sins. Where well, I already been forgiven. Pendant que je prêche le vendredi ici. While I'm preaching this Friday. Si tu crois à l'œuvre du calvaire. If you believe the works of Calvary. Il n'y a aucun péché en toi. There's no sin in you. Il a payé le prix. He paid the price. Pour nos péchés. For our sins. Quelqu'un peut dire amen. Somebody say amen. Pas seulement pour nos péchés. Not only for our sins. Le péché avait amené la maladie. Sin brought sickness. Par ses meurtrissures. By his stripes. Nous avons été guéris. We were healed. Dans les réunions comme ça. The meeting like that. Aucune personne ne peut rentrer malade. Nobody can go back sick. Par ses meurtrissures. By his stripes. Barabi, on l'a frappé 39 coups. But I'm saying, he was smitten 39 times. La punition qu'on lui avait donnée. The punishment they gave him, selon la loi, according to the law, frappez lui 40 coups moins 1. Give, smite him, 40 stripes minus 1. Mon ami, 40 c'est une génération. Bible says 40 is a generation. Dieu ne laissera pas la maladie toute une génération. God cannot leave the sickness all along the entire generation. Dieu ne te punit pas toute une génération. God doesn't punish you. All entire generation. Il faut moins un. It need minus one. On lui a frappé 39 meurtrissures. He was smitten 39 times. Parce que 39. Because 39. C'est 13, 13, 3 fois. Is 13, 13, 3 times. Et 13. And 13. C'est le sixième nombre premier. Is the sixth first number. Tout ce qui se faisait là, all that was happening over there, c'était la parole. It was the word. Le nombre 6 c'est le nombre de la bête. The number 6 is the number of the beast. Si vous le croyez, dites amen. If you will say amen. 13 c'est le nombre de la femme. 13 is the number of the woman.
Pourquoi il y a eu ça? Why that happened? Parce que la maladie. Because sicknesses et le péché and sin est entré came into par la bête through the beast le serpent ancien the old serpent qui a enseigné la femme who taught the woman. C'est pourquoi nous sommes malades. That's why we are sick. Alors then il fallait que lui puisse porter toutes les maladies. He need to carry all sicknesses. Branham explique encore. Branham explained again. C'était 39. It was 39. Parce que ce jour-là. Because that day. 39 coups. 39 tribes. Il n'y aura que 39 sortes de maladies jusqu'à la fin du monde. There will only be 39 kinds of sicknesses until the end of the world. Toute maladie. All sicknesses. Ne seront que. We only be des ramifications, ramification de ces 39 maladies. From these 39 main sicknesses, par ses meurtrissures, by his stripes, ces 39 coups, 39 stripes, toi tu as été guéri. You were healed. J'entends les gens dire, I heard people saying, Jésus ne guérit pas tout. Jesus don't heal everything. Jésus guérit tout. Jesus heal everything. Je suis Jehovah Rapha. I am Jehovah Rapha. L'éternel qui te guérit de toutes tes maladies. The Lord that heals all diseases. Avec Jésus. With Jesus. Il n'y a pas de maladie incurable. There is no sickness that can stand. Oh, je crois que quelqu'un va dire amen. Oh, I told somebody will say amen. Ce soir. Tonight, j'ai pas besoin de te toucher. I don't need to touch you. J'ai besoin de t'enseigner. I need to teach you. Et tu crois ça? And you believe it. Et tu dis? And you say? Par ses meurtrissures, by his stripes, j'ai été guéri. I was healed. Et tu es guéri. And you are healed. L'ange du Seigneur, the angel of the Lord, sera dans l'obligation. We be obligated de venir ici ce soir, to be here tonight, et de confirmer, and to do everything, l'œuvre du calvaire, to convalidate the works of Calvary. Personne ne sortira malade ce soir. Nobody will go out here sick à cause de ce jour-là au calvaire. Because of that day of Calvary. Par se mettre ici. By his stripes. Branham dit remplacer ton nom. Branham dit. Replace your name. Tu as le sida. You've got HIV. Tu as le cancer. You've got cancer. Tu as le corona. You've got corona. N'aie pas peur du corona. Viens à l'église. Don't fear corona. Come to church. Et quand tu écoutes ces choses, when you listen to this, tu remplaces ton nom. You replace your name. Par ce métissu. By his stripes. Moi, Zakola. Me, Zakola. J'ai été guéri. I was healed. De fièvre. From fever. Par ses maîtrises. By his stripes. Chacun de vous répétez son problème. Each one of you, confess your problem. Je suis venu ici avec foi. I came here with faith. Et pour défier Satan. To challenge Satan. J'étais malade pendant 3 jours. I was sick for 3 days. J'ai dit, mais j'irai prêcher. But I said, I will go and preach. Toi, Satan, tu n'as rien. You, Satan, you are nothing. Ces jours-là, that day of Calvary, ta tête a été écrasée. Your head was destroyed. Tu fais des grimaces pour rien. You are challenging for nothing. Et quand je suis entré au bureau, je me suis senti guéri. When I entered into the office, I felt healed. Parce que je suis dans les jours corrects. Because I am into a correct day. Est-ce que quelqu'un peut recevoir sa guérison? Can somebody? Can somebody receive his healing? Par ses meurtrissures. By his stripes. Nous avons été guéris. We were healed. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Madame, je ne peux pas vous guérir. Bible say, I cannot heal you. Écoutez-moi les frères du message. Listen to me, brother, in the message. Frère Branham n'est pas un guérisseur. But Branham is not a healer. Le seul guérisseur. The only healer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. He is the Lord Jesus Christ. Il dit qu'il m'a donné plutôt un don. He said, he actually gave me a gift. Pour que vous croyez à ça. For you to believe in et it. Et que lui puisse vous guérir. So that he must heal you. Et nous prononçons la guérison totale d'Amen et Tabernacle. And we are
declaring a total healing of my tabernacle. Par ses métissus, by his stripes, nous avons été guéris. We were healed. Comme Dieu avait élevé le serpent des reins. Just like God lift up the poison serpent. Dans le désert. In the wilderness. Quand vous êtes malade. When you are sick. Regardez, soyez guéri. Look and live. Ce soir. Tonight. Le fils de l'homme a été élevé. The Solomon was lifted sur up. Sur le bord du calvaire. At Calvary. Quand nous regardons à la croix. When we look to the cross. Nous sommes guéris. We are healed. Qui peut dire amen? Who can say amen? Ces jours-là, that day, son sang, his blood, a fini le problème du péché. Finish the problem of sin. Ce soir, tes péchés sont finis. Tonight, your sins are over. Frère Branham dit, Branham say, la mort de Jésus à la croix n'était pas une mise en scène. Branham say, the death of Jesus at the cross was not a drama. Et ce que nous disons ici, ce n'est pas une mise en scène. And what we are saying here is not a drama. Il n'y a aucun péché ici. There's no sin as here. Je m'en fous avant que tu pries. I don't care before you pray. Ton cœur ne doit pas te condamner ce soir. Your heart should not condemn you tonight. Voilà l'important de ces jours-là. This is the important of that day. Branham dit encore. Branham say again. Quand on le crucifiait. When he was crucified. Même le maître sur. Even his wounded. Avait une signification. Avait une signification. Heard the meaning. His wounded. Heard the meaning. Tout acte. All actions. Avait une signification. Has a meaning. Pour se moquer de lui. When they were mocking him. On va prendre une couronne. They took a crown of horns. Ils prennent les épines. They took horses. On va se moquer de lui. They want to mock him. Quand il met ça sur lui. Where they put on him. C'est le roi des Juifs. He's the king of the Jews. Pour eux. For them. Ils se moquaient de lui. They were mocking him. Mais Dieu. But God. Ne laisse pas une chose en vain. Doesn't do things in vain. Tout cela était pour nous. All that was for us. Laissez-moi dire ce soir. Allow me to say tonight. Judas, là où tu es en enfer. Judas, where you are in hell. Merci beaucoup. Thank you very much. D'avoir trahi mon sauveur. For betraying my savior. Pilate, là où tu es en enfer. Pilate, where you are in hell. Merci beaucoup. Thank you very much. D'avoir lavé tes mains. For washing your hands. Parce que si tu pouvais le libérer. Because if you could have set him free. Moi, je serais en prison. Me. I could remain in prison. Oh, oh, I feel good. Je dis à ces soldats romains. I say to this Roman soldier. Merci pour la couronne de pile. Thank you for the crown of stones. Si tu ne l'avais pas fait. If you never done it. Je ne serais pas ce que je suis. I will never be what I am. Vous voulez savoir ça? You want to know it? Branham dit. Branham said. Quand Dieu jugeait le jardin de Dieu. Well, God. Was judging the garden of Eden. Arrivé Adam. Teaching Adam. Il dit, il y aura des épines. He said there will be horses. Pour réussir. To succeed. Il faut souffrir. You must suffer. Il y aura les épines de ronces. There will be turtles horses. C'était le signe de la malédiction. It was the sign of curse. Mais ce jour-là au calvaire. But that day Calvary. Il a porté ma malédiction. He carried my curse. Ce soir. Tonight, tu n'as pas besoin d'être maudit. You don't need to be cursed. Finis ta malédiction. Finish your curse. Église, church, ce n'est pas toujours. It's not always. Pour réussir dans la vie, to succeed in life, je dois souffrir. I must suffer. Non, no. La saison a changé. The season of change. Quand il a porté la couronne. When he carried the crown. Tu peux réussir. You can succeed. Là où les gens ne réussissent pas. Where people cannot succeed. Oh, église. Oh, church. Dites amen. Say amen. Sa servitude est finie. The punishment is over. Sa malédiction est finie. His curse is over. Il a payé au double. He paid in the double. Dites amen. Say amen. Beaucoup de frères. Many brothers. Bien-aimés, je souffre. Beloved, I'm suffering. Pour gagner la vie.
to gain life. Moi, je ne souffre pas. Me, I don't suffer. Parce que le temps de la souffrance. Because time of suffering. Lui, il a porté ça. He carried it. Un enfant de Dieu doit réussir. A child of God must be successful. Là où les gens souffrent pour en avoir. Where people are suffering to get. Moi, je ne souffre pas. Me, I don't suffer. Amen, ne souffre pas. Amen, don't suffer. Fini la malédiction. Finish the curse. Quand tu regardes au calvaire. When you look to Calvary. Qu'est-ce que tu vois? What do you see? 39 meurtrissures. 39 wounded. Il n'y a plus de maladie en toi. No more sickness in you. Couronne d'épines. The crown of stones. Il n'y a plus de malédiction. No more curse. Son sang coulé. His blood was shed. Il n'y a plus de péché. No more sin. Ce jour-là au calvaire. That day of Calvary. Acclamons le Seigneur pour ça. Let us give praise to the Lord for that. Ce jour-là au calvaire. That day of Calvary. Il a tout payé. He paid all. Je vous dis ce soir. I tell you tonight. Nous entrons dans une saison. We enter into a season. Il y aura des frères et des sœurs ici. There will be brothers and sisters here. Qui comprend le calvaire. That understand Calvary. Their business vont réussir sans souffrir. Their business will succeed without suffering. À cause. Because. De la couronne d'épines. Of the crown of stones. Fini les malédictions. Finish curse. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Merci Seigneur. Thank you Lord. Voilà ce que ce jour-là représente. This is what that day means. C'est un jour grand. It's a great day. Jour fin, jour de victoire. A victory day. Le Seigneur a acquis mon salut. The Lord got my salvation. Brother, deuxième chose. Brother, say secondly. Quand nous comprenons ce que ce jour-là signifie. When we understand the meaning of that day. Le prix a été payé pour tout. The price was paid once of all. Fini nos péchés. Finish our sins. Fini nos maladies. Finish our sickness. Fini nos malédictions. Finish our curse. Vous dites amen? You say amen. Deuxième idée. Secondly. Deuxièmement. Secondly. Paragraphe 76. Paragraphe 76. Nous devrions voir. We must see. Ce que ce jour-là fait pour nous. What that day did unto us. Quand Jésus est mort au calvaire. When Jesus died at Calvary. Non seulement il a payé le prix de nos péchés. Not only paid the price of our sin. Mais il a aussi payé le prix. He also paid the price. Il a pourvu des moyens. He provided ways. Pour que nous puissions le suivre. For us to follow him. Il a tout payé. He paid all. Pas seulement ça. Not only that. Il a aussi pourvu un moyen. He provided a way. Pour que toi aussi tu deviennes comme lui. So that you also become like him. Il dit en effet. Actually. Nous les Adam déchus. We fallen Adam. Qui avons été rachetés. Et puis il dit. Comme l'esprit conduisait dans le premier Adam. As the first Adam, the second Adam. Par l'esprit qui avait autorité sur toute nature. By the spirit that rule all nature. Ainsi nous le deuxième Adam. Then for the second Adam, où les hommes de la terre, all men of men, nous avons été rachetés par Christ. We have been redeemed by Christ. Depuis le jour du calvaire, since that day of Calvary, nous pouvons le suivre. We can follow him. Alors quand il est mort au calvaire, when he died at Calvary, il a pourvu des moyens. He provided the way. Il a rendu l'esprit. He gave up the spirit. Le Saint-Esprit, c'est ici qu'il est renvoyé sur la terre. The Holy Ghost that he sent on earth. Pour que vous et moi. So that you and me, nous où vivions. We should live. C'est ce que le calvaire signifie pour nous. That what Calvary means unto us. De le suivre lui. To follow him. Et l'accepter. To accept that he is. C'est accepter sa personne. It to accept his person. Christ dans nos cœurs. Christ into our hearts. C'est tout. It all. Comme si nous n'avions jamais péché. Just like we never see. Le sacrifice parfait. The perfect sacrifice. Nous a rendu parfait. It makes us perfect. Regardez ce que ce jour-là sur le calvaire a fait pour vous. Look what that day of Calvary did unto you. Il a payé le prix pour vous. He paid the price for you. Il a réglé la question. He
settle the question. Si vos péchés sont comme les cramoisis, if your sin as like skeleton, ils seront blancs comme la neige. Will be white as snow, rouge comme la pourpre. Like purple, blanc comme la neige. White as snow. Alors, then, vous n'avez pas de péché. You don't have sin. Vous êtes parfaitement sans péché. You are without sin. Peu importe ce que vous avez fait. No matter what you have done. Ou ce que vous faites. What you doing? Come on. Oh, ça c'est frère Branham. This is brother Branham. Ça c'est Branham. This is Branham. Vous n'avez pas de péché. You don't have sin. Vous êtes parfaitement sans péché. You are without sin. Peu importe ce que vous avez fait. No matter what you did. Ou ce que vous faites. Oh, what you doing? Vous êtes quand même sans péché. You are nevertheless without sin. Le légaliste dit. Now, legalist we say. Le pasteur avait bien commencé. The pastor start very well. Que nous sommes imparfaits. We are perfect. Imparfait. Perfect. Maintenant regarde là où il atterrit. Look what is landing. C'est ce jour-là au calvaire. That day of Calvary. C'est un jour où it's a day whereby nous venons comme des pécheurs. We come as sinners. Quand on arrive à ce jour-là, when we reach that day, nous comprenons ça. We understand it. Nous croyons ça. We believe it. Nous devenons parfaits. We become perfect. Pas que nous deviendrons. Not we will come. Nous le sommes. We are. Bandeko nangai. My friend, Branham azolo ba makambo. Branham say these things. Oboyo fandi. If you refuse, take a seat. Peu importe ce que tu avais fait. No matter what you did. J'avais fait ça, j'avais fait ça. I did this. Dites amen. Say amen. Et ce que vous faites. And what you are busy doing. Tout ce que tu as fait avant de venir à l'église. What all that you did before to come to church. Et ce que tu fais maintenant. What you are doing now. C'est pas mon message. It's not my message. Dis ce que dit le bande. You just say what the tape says. Put play. Put play. This is I'm playing the tapes. I'm playing the tapes. Peu importe. No matter. Ce que tu avais fait. What you did. Ou ce que tu fais. What you are doing. Néanmoins. Nevertheless. Tu es parfait. You are perfect. Quelqu'un peut dire amen. Can somebody say amen. Maintenant. Now. Le calvaire. Calvary. Que moi et Jésus nous devenons. Make me and Jesus become equal. Voilà. That is it. Le calvaire. Calvary. Moi aussi je deviens digne. Me also I become digne. Worthy. Ah là c'est dur. Ah now it's hard. Le calvaire. The Calvary. Moi aussi je deviens l'agneau. Parfait. Me too. I become the perfect lamb. Ce jour-là, that day, pas par ma perfection à moi, not through my perfection, lui l'agneau parfait, him, the perfect lamb, m'a rendu parfait. Make me perfect. J'ai perdu quelque chose? Can I say something? C'est ça le mystère de l'incrédulité. This is the mystery of unbelief. Parce que ce problème. Because this problem. Depuis l'éternité. From eternity. Je n'ai jamais voulu pécher. I didn't want to preach. Mais celui qui voulait. But the one who wanted. C'était Dieu. It was God. Il dit non. He said no. J'ai des attributs. I've got attributes here.
que tu dois expérimenter. That you must experiment it. Je suis sauveur. I'm a savior. Je suis guérisseur. I'm a healer. Mais tu ne connais pas ça. But you don't know it. Tu dois partir. You must go into. Et tu vas pécher. You will sin. Est-ce que vous suivez ça? Are you with me? Ça c'est pas pour les bébés, hein? This not for babies. Mais comment on va faire? How can we do? Non, moi je ne te pousserai pas à pécher. No, I won't force you to sin. Mais je t'enverrai là-bas pour pécher. But I will send you there to sin. Mais je mettrai en toi. I will put in you. Le libre arbitre. The free moral agency. À un certain moment. In a certain time, tu choisiras le mal. You will choose wrong. Mais un jour, but one day, quand tu entendras ma voix, when you hear my voice, tu choisiras le bien. You will choose good. Je peux dire quelque chose? Can I say something? Ce n'était pas dans mon enseignement. It was not in my preaching. Mais laissez-moi vous le donner. Allow me to give it to you. Parce que jusqu'à quand on va pas prêcher? Because up to tonight, we won't be preaching. Frère Branham a fini par comprendre. Brother Branham finally understood que dans cette histoire, in this story, de la rédemption, of redemption, le responsable numéro un, the first responsible. Ce n'est même pas Satan. It's not even Satan. C'est pas le démon. It's not demon. C'est Dieu lui-même. It's God himself. C'est pourquoi. That's why. Alléluia. Alléluia. Même quand nous disons, even when we say, qu'il était l'agneau innocent, he was an innocent lamb. C'est dans le temps. It's in the time. Il est l'agneau innocent. He is the innocent lamb par rapport au temps. In line with time. Et nous, nous sommes pécheurs. And as we are sinners. Par rapport au temps. In line with time. Mais par rapport à l'éternité. But from eternity. Il n'est pas innocent. He is not innocent. C'est lui qui voulait ça. It's him that wanted. Soit par rapport à l'éternité. From eternity. Nous ne sommes pas pécheurs. We are not sinners. C'est un problème de voyage. It's a problem of journey. Là où tu viens, where you come from, c'est là où tu repars. That's where you're going to. C'est pourquoi, that's why, Apocalypse 10, Revelation 10, a rendu le calvaire clair. Put the Calvary clear. Parce qu'il n'y a plus de temps. Because there's no more time. Est-ce que vous écoutez ça? Do you listen to this? Ah, un jour on va en parler. One day we speak on it. Promettez-moi. Promise me. Amenez 3000 brebis ici. Bring 3000 sheep here. Et je serai dans tous mes états. I'll be on all my states. Pour vous déposer ces choses. To tell you these things. C'est quoi l'agneau? How the lamb a été immolé, was slain, pas au calvaire, not in Calvary, mais avant la fondation but du before monde, the foundation of the world, dans la pensée éternelle, into the eternal mind. C'est Dieu, his heart. C'est le Seigneur, he is the Lord. Qui était responsable? Who's responsible? C'est pour cela. That's why. Il ne peut pas me perdre. He cannot make me get lost. Quand on arrive à ces choses, when we reach these things, mon ami, il n'y a plus de péché impardonnable. But I'm saying, there's no more unforgiveness sin. Mais c'est un problème. But it's a problem. De la prédestination. Of predestination. Ce n'est pas celui qui court. He's not the one that runs. Ou à celui qui veut. Oh, the one that wants. Mais c'est un problème de choix. But it's a problem of choice. Avant même que Jacob et Esaü soient nés. Before Jacob and Esau be born. Avant de faire le bien et le mal.
Before they did good on evil, j'aimais Jacob. I loved Jacob. J'ai haï Esaü. I hate Esau. J'aimais Branham. I love Branham. Dites amen. Say amen. J'ai haï Laodicée. I hate Laodicea. Alors tous ceux qui aiment Branham, all those who love Branham, je te les donne. I give unto you. Est-ce que vous avez besoin? Do you listen to this? C'est ça la voix de Phoenix. This is the voice of Phoenix. Cette histoire là, this story. Je suis sauvé aujourd'hui. I'm saved today. What is the story? Tu ne connais pas le calvaire. You don't know Calvary. J'aime l'histoire là. I love that story. On m'a dit il y avait un frère à Zoé, c'est Calaham. There was a brother in another church in Congo. Il aimait la parole. He loved the word. Il est parti à Tshikapa, il a commis adultère. He went somewhere place, he committed adultery. Je n'encourage pas les péchés. Hein? I don't encourage sin. Il est revenu, s'est repenti. He came and repented. Mais les diacres. But the deacon. Ne sautez pas plus haut que ta vie. Oh, don't jump higher than your life. Quand Yumbibé a été prêché. Quand Yumbibé was preaching. Bulldozer. Bulldozer. What I want to do, they're forcing him. Don't jump higher than your life. Until enough is enough. He said enough is enough. I say. Laisse-moi tranquille. Ah, leave me. Il a pris sa tam tam. He took his tambourine. Amen. Amen. Et les incrédules le regardaient. And unbelievers was looking at him. N'est-ce pas un pécheur? Isn't a sinner? Parce que vous ne connaissez pas la parole. Because you don't know the word. Ce jour-là au calvaire, that day at Calvary, Jésus a été frappé. Jesus was smitten. Dans le temps, in time, il est innocent. He's innocent. Il a été frappé pour nous. He was smitten for us. Mais dans l'éternité, but in eternity, c'était lui le responsable. He was the responsible. That's what Branham will say. Peu importe ce que tu as fait. No matter what you did. Et ce que tu fais. Or what you are doing. Quand tu acceptes le calvaire. When you accept Calvary. Tu es sans péché. You are without sin. Dites amen. Say amen. Le calvaire. The Calvary. It's not your light preachings. You always condemn people until when? He said, troisièmement. Thirdly, Branham said this. Regardez ce que ce jour-là sur le calvaire a fait pour vous. Look what that day devil did. Jésus Christ comme votre sauveur. Jesus Christ is our Savior. Les péchés sont déjà pardonnés. The sins are already forgiven. Troisièmement, thirdly, regardons ce que les calvaires nous devons faire pour les calvaires. Let us look what we must do for Calvary. Pour ce qu'il a fait pour nous. For what he did for us. Il a payé le prix. He paid the price. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que je puisse le suivre. He sent all the God so that I must follow him. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? What? In return, what can I do for him? Troisièmement, thirdly, regardons ce que nous devions faire pour ces jours-là. Let us look what we must do for that. Qu'est-ce que nous devions faire? What can we do? Bon, la première chose que je vais dire. Now, the first thing I will say. C'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. That Jesus never lived his life for himself. Sa vie a été consacrée aux autres. His life was dedicated for others. C'est parfaitement ça la vie éternelle. That is perfectly eternal life. Quand vous dites que vous allez à l'église. When you say you go to church. Et que vous faites des bonnes actions. You do good actions. C'est bien. It's fine. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même. But when you live your life for yourself. Vous n'avez pas la vie éternelle. You don't have eternal life. La vie éternelle. Eternal life. C'est de vivre pour les autres. Is to live for others. C'est ce qu'elle a prouvé. That what he proved. Quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. When it came into the Lamb of God. Il avait la vie éternelle.
He had eternal life. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Because he never lived his for himself. Il vivait pour les autres. He lived his life for others. Et vous recevez la vie éternelle? And you receive eternal life. En recevant ce jour-là. By receiving that day. Alors, then, vous ne vivez plus pour vous-même. You no longer live for yourself. Vous vivez pour les autres. You don't live for others. Une vie dépourvue d'égoïsme. A life without selfishness. Non, pas après réflexion pour not after thinking. Je réfléchis pour faire ceci. I think for me to do this. Non, pas d'y réfléchir. Not to think. C'est votre nature. It is your nature. C'est votre caractère. It is your character. Vous le faites de toute façon. You do it anyhow. C'est simplement ça la vie qui vit en vous. That really the love that lives through you. Le christianisme c'est simplement automatique. Christianity is automatic. Ces choses là sont à faire. Those things are to be done. C'est ce qu'il faut faire. That need to be done. Vous oubliez tout ça. You forget everything. Maintenant, vous ne pensez même pas que moi non allez faites-le. You don't even think me. No, you go and do the work. Ça est ceci dit. This and that. Christ a complètement abandonné sa vie à Dieu. Christ so totally, completely surrendered his life to God. Il s'est donné lui-même. He gave himself comme un serviteur. As a servant. Au service du peuple. To the service of the people. Il a donné sa vie librement. He gave his life freely. Il n'était pas obligé de le faire. He was not obligated to do it. Il ne l'a pas fait à contre-cœur. He never did hard-hearted. Contre cœur. Against his heart. Écoutez, Frère Branham. Listen to Brother Branham. 110. And then 10. Si l'église pouvait en arriver, if the church could reach, à saisir ces réalités fondamentales, to understand this fundamental reality, que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire, that is not something that you are trying to do, que vous forcez à faire, or you are forcing to do, c'est quelque chose qui est en vous. Actually, it's something in you. Mais vous avez négligé les grandes choses. But you neglected the main things. C'est cette vie de sacrifice. Is this life of sacrifices? De soi. Sacrifices of yourself. Que Dieu vit en vous. God lived in you. De faire automatiquement ce qui est bien. To do automatically what is good. Parce que c'est bien. Because it's good. De continuer à avancer. Keep moving on. Tout simplement. Only de trouver ça tout naturel. To find it so natural. Quelqu'un peut dire un grand amen? Somebody can say big amen. Ce jour-là au calvaire. That day at Calvary. Lui l'a fait pour nous. Him, he did for us. Il a payé le prix. He paid the price. Le péché est fini. Sin is over. La maladie est finie. Sickness is over. La malédiction est finie. Curse is over. Deuxième chose. Secondly. Pour que nous puissions le suivre. So that we should follow him. Par le Saint-Esprit. With the Holy Ghost. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Être comme Jésus. To be like Jesus. Alors, troisième chose. Thirdly. Voyons toute cette bénédiction-là. Seeing all those blessings. Avez-vous vu comment vous êtes réjouis? Have you seen how you rejoice? Avez-vous vu comment vous avez été béni? Have you seen how you've been blessed? Qu'est-ce que nous aussi? Now, in return. What us nous devons faire pour ces jours-là? Should we do for that day? Branham dit, Branham say, que nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes. Branham say, we should not live for ourselves. Je vais entendre un grand amen. I want you a big amen. La preuve, the proof, que l'agneau est mort pour toi, the lamb died for you, et que sa vie est revenue en toi, that his life came back in you, tu ne vivras pas ta vie pour toi-même. You no longer live your own life for yourself. Tu vis pour les autres. You will be living for others. Tu as la vie éternelle. You've got eternal life. Pas les choses qu'on te force. Not, they are not forcing you. Pour le faire, tu fais ça de cœur. To do it, you do it in between.
vivez même pour cet homme-là qui peut te tuer. But I say, live even for the one who can kill you. Tu vis, you live pour les autres. For others. Quelqu'un peut dire un grand amen. Somebody can say big amen. Dites un grand amen. Say big amen. Vivre pour les autres. To live for others. C'est un grand mystère. It's a great mystery. C'est ça la vie éternelle. That is eternal life. Toute ta vie. Your entire life. Tu vis pour les autres. You live for others. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? What can I do for others? Qu'est-ce que je peux faire pour que les autres croient? What must I do for others to believe? Ce n'est pas en vous forçant. It's not that you want to be forced to do things, no. Changeons de tactique, changeons de méthode. It's not me thinking, changing tactics. C'est automatic. It's automatic. Qu'est-ce que je peux faire pour l'église? What can I do for the church? Pour les pasteurs. For the pastor. Pour les diacres. For the deacon. Pour mes frères et sœurs. For my brother and my sister. Pour les païens qui ne croient pas. For unbelievers who don't believe yet. Une vie dépourvue d'égoïsme. A love without selfishness. Quelqu'un peut dire un grand amen. Somebody can say big amen. Et ce grand mystère là pour terminer. And this great mystery to finish. Pourquoi cela était comme ça pour ces jours-là? Why it was like that that day? Frère Branham, tout le temps, il ne connaissait pas ça. Frère Branham, all the time, he never knew it. Quand les seaux ont été ouverts, when the seals were open, Dieu est venu lui révéler quelque chose qu'il était étonné. God came to reveal something which he was surprised of. Le grand mystère de ces jours-là, the great mystery of that day, qui fait que that make that. Pour honorer le jour là, to honor that day, nous devons vivre la vie éternelle. We must have eternal life. Vivre pour les autres, to live for others. Dieu révèle à Frère Branham après l'ouverture des sceaux. God revealed to Brother Branham after the opening of the seals. Ceci est une réalité. This is a reality. Parce que l'ouverture de ce sceau, because the opening of the seals, en 1963, in 1963, ont révélé ces jours-là au calvaire, reveal the meaning of that day of Calvary, que Jésus n'est pas mort seul, that Jesus never died alone, il est mort mâle et femelle, he died being male and female. Frère Branham comprenait toujours, Brother Branham used to understand. Que l'époux, that the groom, est mort, died pour l'épouse, for the bride. Mais Dieu lui révèle. But God came and revealed unto him une autre chose. Another thing. Dans le chef-d'œuvre, il dit. In a spoken word masterpiece. Le 5 juillet 64. 5 July 54. Il prend l'écriture d'Esaïe. He takes the scripture of Isaiah. Il a été frappé là où on avait lu. What we read. Il a plu à Dieu. Non, non, non. He pleased God. 99. Le grand sculpteur. The great sculptor. De le frapper. To smite him. De le faire de cette manière-là. To do it that way. Nous le voyons dans Esaïe. We see it in Isaiah. Comme je le lis. As I've read it. Nous l'avons tous considéré. Nous avons détourné notre visage de lui. We undermine him. We despise him. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. His appearance, there was nothing to attack. Tout le monde parlait de lui. Everybody spoke against him. Se moquait de lui. Mocking him. C'est de lui maintenant, ces jours que je parle. It's about him, this day I'm talking about. Quand il lit ça là, Bram said, when he's reading that, l'écriture là est accomplie avec Jésus. That scripture was fulfilled with Jesus. Mais Branham lit encore pour ce qu'on fait de lui aujourd'hui. But Branham also read what he's been doing against him today. C'est de lui maintenant en ces jours que je parle. It's about him now in this day I'm talking about. Tout le monde se moque de lui, voyez? Everybody mocking him. Nous l'avons considéré, nous l'avons vu. Considérer, ça veut dire regarder. We consider him. Consider to look. Il dit? He said. Nous l'avons considéré comme frappé, affligé par. We saw him, consider him smitten, beaten. Mais il. Là, pourquoi est-il fait ça? But why did he do it? Il était blessé pour notre transgression. He was smitten for our transgression. Il était brisé pour nos iniquités. He was wounded for our iniquities. 101. Say, mais, but n'oublions pas qu'au commencement. Let not forget that at the beginning, quand il a frappé les côtes d'Adam, when he smote
the ribs of Adam. Il a retiré quelque chose de son corps. He took something from his rib. Or, now, si Christ a été frappé, if Christ was smitten, c'est dans un but. It for a purpose. Pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. So that he should take from him somebody. But cry d'abord ça. Now, first of all, believe this. Believe this. Vous êtes là, hein? Are you there? Écoutez. Listen. Quand Dieu a frappé Adam, when God smote Adam, c'était le type du calvaire. It was the type of Calvary. C'est pour faire sortir quelqu'un. Eve. It was to take somebody. If. Prends ça. Now, Branham take it. Que Dieu a répété la même chose. God repeated the same thing. On frappait Jésus sur le jour du calvaire. By smiting Jesus that day of Calvary. C'est pour retirer quelqu'un. It was to take somebody. Quand il dit quelqu'un, quelqu'un. When he speak about, when he says somebody, somebody. Il dit, he said, c'est pour retirer de lui quelqu'un. It to take from him somebody. Pour former une famille. To make a family. L'épouse. The bride. Qu'il puisse prendre de lui. She must take from him. Une épouse. Take from him a bride. Alors, quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, and when his masterpiece was brought to perfection, c'est à ce moment-là que lui il a fallu le frapper. Then he came to smite him. Pour retirer de lui, to bring, to take out from him, non pas un autre morceau, not another part, non pas une autre création, not another creation, mais une partie de la même création, but a part of the same creation. Est-ce que vous êtes là avec moi? Eagle, are you there with me? Vous savez ça, hein? Do you understand this? Écoutez maintenant encore. Listen again. Dans le lever du soleil. In the rising of the sun, spoken word. 141. L'esprit l'a quitté dans le jardin de Gethsemane. He said, the spirit left him in a garden of Gethsemane. Ne ratez pas ça. Don't miss this. Il fallait qu'il meure comme un homme. He had to die as a man. Ces choses, les pentecôtistes ne connaissent pas. These things, Pentecostal people don't know it. Ils vous disent Dieu est mort au calvaire. They tells you, they told you that God died at Calvary. Dieu est mort au calvaire. Or die, God died at Calvary. Non, c'est pas comme ça. No, it's not like that. Vous écoutez ça? Hein? Listen to this. Ça c'est pour les adultes. This is for adult people. L'esprit l'a quitté dans le jardin de Gethsemane. The spirit left him in a garden of Gethsemane. Il fallait qu'il meure comme un homme. He had to die just as a man. Souvenez-vous, mes amis. Remember, my friend. Il n'était pas obligé de faire ça. He was not obligated to do it. C'était Dieu. It was God. Dieu avait oint cette chair là. God anointed that flesh. Qui était une chair humaine. Which was a human flesh. S'il était allé là-bas en tant que Dieu, if he could have gone there as God, il ne serait jamais mort de cette mort là. He could have never died of that death. On ne peut pas tuer Dieu. We cannot kill God. Quand nous parlons le calvaire, when we speak about Calvary, il faut que le sceau vous éclaire. The seal should open your eyes. Jésus n'est pas mort au calvaire comme Dieu. Jesus never died at Calvary as God. Mais dites amen, non? Say amen. Amen. My friend, say amen to these things. Boy, offended. If you refuse, take a seat. Il ne pouvait pas aller mourir comme Dieu. He could go to die as God. Dieu ne peut pas mourir. God cannot die. Dans le Gethsemane, in Gethsemane, la colonne de feu qui était entrée en lui en Jourdain, the pillar of fire that entered into him in a Jordan River, l'a quitté, left him. Dites amen. Say amen. Dieu a quitté le corps de Jésus. God left the body Jesus. Il est resté un homme. He remained a man. Alors il part mourir comme un homme. Then he went to die just as a man. Parce que s'il part avec la divinité en lui. Because if he could have gone with deity in him. Dieu ne peut pas mourir. God cannot die. Dites amen. Say amen. Il est parti comme un homme. He went there just as a man.
Branham, en tant qu'un homme, il a eu les soucis. Branham said, as a man, he had worries. Il a piqué une crise cardiaque. Branham said, he had a heart attack. Le sang s'est séparé de l'eau. Blood separated with water. Allez demander à un médecin, il vous dira ça. You can ask a doctor, I can say to you. S'il était allé là-bas en tant que Dieu, if he could have gone there as a God, il ne serait jamais mort de cette mort-là. He could have never died that on death. On ne peut pas tuer Dieu. We cannot kill God. Mais souvenez-vous, but remember, il était allé là-bas avec vous. He went over there with you. En lui, in him. Voyez-vous? You see, Dieu n'avait pas encore séparé l'épouse de l'époux. God didn't yet separate the groom to the bride. À ce moment-là, in that time, donc, me, quand Dieu a baissé les regards vers le corps de Jésus, when God looked the body of Jesus, il a vu les deux. He saw the two. L'homme et la femme. Man and woman. Tout a été racheté dans ce corps-là. All was redeemed in that body. Voyez? You see? Ils sont un. They are one. La même parole. Same words. La même parole qui parlait de l'époux. The same word that spoke about the groom. Parle de l'épouse. Speak about the bride. Mon ami, regardez. But I said, look. Remarquez ceci. Notice this. Mais Dieu avait vu d'avance. God foresaw. L'épouse dans l'époux. The bride in the groom. Branham dit alléluia. Branham shout alléluia. Voyez-vous? Do you see? Pour sauver son épouse comme Adam. To save, to redeem his bride like Adam. Il a fallu qu'il l'accompagne. He must go with her. Adam savait ce qu'il faisait. Adam knew what he did. C'est Eve qui ne savait pas. It Eve who never knew. Mais Adam est sorti pour être avec son épouse. Adam went out to be with his bride. Et Jésus a pris la place de son épouse. And Jesus stood instead of the bride. Il est devenu péché. He became sin pour elle. For her. Souvenez-vous, remember, il est devenu péché pour elle. He became sin for her. Il a subi votre châtiment en vous. He accepted your punishment in him. Pour que vous puissiez prendre sa place. For you to take his place. Il a pris votre place. He took your place. Pour que vous puissiez prendre sa place. So that you may take his. Quel amour! What a love! Quelle communion! What fellowship! Comment pouvons-nous renier cela? How can we deny this? Comment pouvons-nous ne pas l'aimer? How can we not love him? Je sais que vous n'avez pas un jour, je reviendrai. I know you never understood. I'll come back. Après le sort, after the seals, Branham a compris que Branham understood that Jésus n'est pas mort à la croix comme Dieu. Jesus never died at the cross as God. Dieu l'a quitté. God left him in God, le Père, the Father. Il est parti comme un homme. He went at the cross just as a man. On ne peut pas tuer Dieu. We cannot kill God. Mais dans l'homme là, Jésus. But in that man, Jesus. Branham dit. Branham said. Il est mort comme un mâle et femelle. He died as male and female. Comme époux et épouse. As groom and bride. Quand il mourait à la croix. When he died at the cross. Branham, il était deux. Branham said he was two. Époux et épouse. Bridegroom and bride. C'est quoi dans ce mystère-là? That's why in this mystery. Il n'y a pas moyen. There's no way. Que l'épouse du vive autrement. For the bride to live otherwise. Par le mystère du chef-d'œuvre. Through the mystery of masterpiece. Quand on le frappe. When he's been smitten. On le frappe, il y a quelqu'un à l'intérieur de lui. He's been smitten, there's somebody inside of him. Pour faire sortir la personne là. To bring out that person. Cette personne. That person. N'est pas une autre création. Is not another creation. La même. But from the same creation. Comme c'est la même. As is the same. À l'ouverture de sceaux. By the opening of the seals. Ceux qui sont épouses. Those who are bride. Sont devenus jetés. This reality. Reconnaître ce que le calvaire a fait pour vous. Reconnaissez
What Calvary did for you. Nous le regardons. We look at it. Et nous disons. And we say. Oh oui. Yes. C'est bien. It's fine. C'est pas ça. It's not that. Si le Fils de Dieu. If the Son là-bas. Of God. Follow me. Il lui a fallu aller au calvaire. He had to go to Calvary. Pour être crucifié. To be crucified. Chaque fils qui vient doit aller à un calvaire. Each son has to go to Calvary. Il doit lui aussi avoir un calvaire. He must also have his own Calvary. Vous devez avoir votre jour au calvaire. You must have your day of Calvary. Je dois avoir mon jour au calvaire. I must have my day of Calvary. C'est ce qui règle la question du péché. That's what settles the sin question. Ce n'est pas de serrer la main du prédicateur. It's not to shake the hand of the preacher. Ce n'est pas d'entrer à l'église. It's not to come to church. En se faisant secouer. Or to be shaken. Ni d'entrer par une lettre. Or to come through a letter. Mais d'entrer par une, pas dans une profession. Not into a profession. Mais d'y entrer. To go into it. Par une naissance. Through a birth. Il n'a jamais donné une lettre. He never gave a letter. Il n'a jamais donné une profession. He never gave a profession. Il a donné une naissance. He gave a birth. C'est comme ça que nous y entrons. That the way we enter in. Alors. Then. À partir de là. From then. Nous vivons. We live. Automatiquement. Automatically. Des vies chrétiennes. A Christian life. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.